Avec lui, dès que possible, je vais acheter son livre. Je voudrais savoir ce qu'il y a dedans. Et je me demande s'il n'est pas loin de la vérité. Ce matin à Mulhouse. Tout un arsenal découvert chez un collectionneur d'armes. Nos gens le retrouvent en Eure-et-Loire. Cet homme de 62 ans avait aménagé chez lui une sorte de petit musée de la Seconde Guerre mondiale. Les enquêteurs ont saisi notamment deux canons, un lance-roquettes anti-char et trois mitrailleuses en parfait état de marche. Il y avait aussi des munitions non désamorcées. Le trafic ferroviaire légèrement perturbé sur l'axe Paris-Clermont-Ferrand à cause d'une apparente tentative de suicide en fin de mètre rouge. Le thermomètre affichera au maximum entre 19 à Brest, 34 à Lyon, 23 à Lyon, 24 à Strasbourg, 26 à Paris, 28 à Marseille, 29 à Lyon. La bourse de Paris elle baisse de... Siamo arrivati nelle gorge di Verdon. Questo che vedete è uno dei primi canyons che stiamo incontrando.